Every day I'm shuffling. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody's just have a good time. Yeah. Re tout le monde! Non, sans rire, je disais donc que là, en fait, on s'était quitté vers ici la dernière fois. Mais le problème qui se passe là, en fait, c'est que en fait, je suis complètement débile. Parce que, il y a à peu près 10 minutes, je reprenais comme là, je suis en train de reprendre. Et pendant 10 minutes, j'ai fait un commentaire. À un moment, je suis mort et mon jeu a fait des artefacts. Et je me suis aperçu que c'était pas en train de filmer. Donc là, je me sens très, 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 très con. D'avoir fait 10 minutes de vidéo pour rien. Donc voilà. Donc continuons donc notre aventure. Hi guys. Oh merde. Faut-il être débile. Bah au moins vous voyez. Alors regardez, si on pouvait faire ça chez nous. Genre tiens dis donc chérie, j'ai envie de nettoyer. Attends, je vais vous faire la blague après parce que là je peux pas la faire. Il faut savoir trouver la bonne occasion. Voilà, donc on était donc bloqué ici. Regardez, je vais vous montrer comment faire une blague à votre amoureuse. Bye Squeezie. Alors attendez, vous allez voir. Voilà, alors attendez. Parce que Machin. Alors text log. Donc test phase 1. Je vous traduis parce que je suis bilingue. Alors ce sujet est très pas aimé. De rester, n'aime pas rester affiliated avec le church après une petite période de temps. Très français tout ça. On voudrait, oui, on pourrait expérer machin lui. Tout, ok, bon, ça me prend la tête, j'arrive pas trop à parler anglais. Dégage toi aussi. Et là. C'est le mec qui fait une crise d'épilepsie. Non, sans rire, je disais ça parce que c'est une petite référence à Beast Mode 3. Dans une vidéo, il a fait une crise d'épilepsie. Il m'a complètement achevé. J'en pouvais plus. Il m'a fait mes. Ah, regardez, cette porte est maléfique. Regardez, si je me colle à elle. Eh oh, bah merde. Tout à l'heure, quand je faisais le commentaire, je me marrais à me coller à elle. Enfin bref, c'est pas grave. Bon, où devons-nous aller? Bordel! Non. Vous imaginez bientôt les PC seront comme ça, on aura la tête là-dedans là. Et on verra tout en 3D. Ce sera vraiment vraiment stylé. Donc lui c'est un chinois. Chinois mélangé avec un arabe. Donc ça a donné des écritures du genre. Non sans rire, c'est pas vrai. Je suis pas raciste du tout. Ne croyez pas des choses que je n'ai pas dites. Tiens. Tiens, y aurait-il des choses à faire? Tiens mon ami. Allez, donc voilà, donc la blague by Squeezie. Attention, je vais vous la faire. Ah non, je peux pas. Ah non. Je peux pas les guys. Je peux pas, il me faut quelque chose de pointu. Bon ok, on s'en fout, sans rire. Ah. Oui. Oui, alors là, magnifique. Vous avez vu la technique by Squeezie? Alors il y a le truc. Ce qu'il faut faire, c'est que vous spammez le truc pour genre pouvoir de la force. Vous faites. Ok. Et du coup maintenant, bah voilà. Hein? Non. Merde. Ah, en fait, c'était des batteries. Alors, attendez, ça m'a ouvert où, en fait? Parce que là, genre... Donc, là, c'est ouvert, et là-haut, c'est fermé. Donc, logiquement, si je la prends... Non, mais ok. Ah ouais, sympa. Alors, écoutez, là, ils m'auront pas. Comme je suis un beau gosse, je sais ce qu'il faut faire. Voilà, donc je disais, oh, c'est incroyable comment je n'ai absolument pas eu peur. C'était. Je m'étonne moi-même, savez-vous? Est-ce que je vous ai dit que je m'étonnais moi-même? Ouais, sûrement.
Alors regardez. Ah oui, voilà. Alors attention, la blague by Squeezie. Préparez-vous, hein. C'est du lourd. Comment ça, inventaire full? Oh, je suis pas d'accord, moi. Ah oui, ok, d'accord. Tab, voilà. Donc regardez, la blague by Squeezie. Attention, ça va être très, très impressionnant. Hein. Regardez. Ah chérie, regarde, je vais nettoyer la pièce. Mais je déconne. Non, sans rire, c'était un énorme epic fail. C'était vraiment moche de ma part, c'était vraiment très con. Et je remercie aussi CodeCF en y pensant. Enfin, j'ai remercié, je remercie le type qui a fait le tutoriel pour CodeCF. Ouais. Oui, je comprends tout à fait ce que tu dis. Ouais, ça me fait pas peur, arrêtez vos conneries. Oh non, c'était juste là. À chaque fois que j'arrête la vidéo, c'est juste là qu'il faut... J'en ai marre. Ça me donne envie de me mettre un peu de déodorant. C'est complètement con parce que j'en mets sur le t-shirt. C'est pas grave. Ça me fait marrer. Alors, tu vois, il y a une boîte verte là, hein. Non, je rigole. Ouais. Alors là, celui qui m'avait dit de prendre les boîtes vertes. Écoutez, j'aimerais bien qu'il me dise comment on fait pour... Bon, attends, écoutez, faut que je vois un truc là. Alors, qu'est-ce que tu veux, j'en sais rien, moi. Ça, ça a l'air naze. Super. Lol. Super. Yes guys, voilà, donc sur ce tab, excusez-moi, je m'embrouille avec les touches. Donc ça, je m'en fous, voilà, je vais prendre ça. Ça, je peux pas. Et ça, c'est quoi ça? Tit. But. Ah oui, ça, c'est un conduit, mesdames et messieurs. Nous allons donc pénétrer dans le conduit. Je regarde que ça filme, moi j'ai peur, j'ai cru que ça filmait pas. Non, sans rire. Je disais donc aussi, alors la personne qui m'avait gentiment dit qu'il y avait les boîtes vertes, il y avait des trucs dedans. Est-ce que tu pourrais me dire aussi comment tu fais pour prendre une boîte verte qui est sur une étagère en fait? C'est trop bien fait, je vous promets, les mecs au Fireman ont participé à ce jeu. Et je vous avais pas dit dans la vidéo présente qu'un jour en sortant du conduit, il y avait quelqu'un qui allait être derrière vous, qui allait faire ah. Bah voilà, c'était la meuf avec une seringue, elle voulait me droguer au LSD. Attends, non mais c'est quoi le délire là? Parce qu'en fait, ça m'a amené ici. Donc ok, vous êtes mignon, mais ici c'est pas là où j'étais tout à l'heure. Oula, ça se complique là. Ça se complique. Alors attendez. Ça c'est là où j'ai pété. Mais qu'est-ce qu'elles ont ces portes qu'elles arrêtent un jour. Donc là-bas c'est là où j'ai pété le truc. Là il y a la porte qui bug machin. Là j'étais donc ici, je suis venu de là. Donc logiquement ça devrait être ici. Et je déteste cette putain d'ambiance bordel. J'aime pas cette ambiance, je vous promets, j'aime pas cette ambiance. Ah, frisson. Un ascenseur. Amène-moi vers la sortie. Oh non, mais non. Mais non. J'ai dit vers la sortie. Bon alors là, de toute façon, je ferme les yeux. Vous allez voir que, voilà, j'entends des bruits dégueulasses. On paraît qu'ils vont essayer de me faire peur, regarde, vous allez voir. J'entends des bruits par là. Mais en fait, c'est un jeu, c'est une bande son qu'ils ont rajouté sur une vidéo. Putain. Putain. C'est quoi ce bordel là? Ah oui, il y a une touche pour l'objectif, c'est quoi déjà? C'est V, A, D, R, T, F, B.
Les... Voilà, c'est ça. Ah là là, heureusement qu'il m'aide, hein. Je sais pas ce que je ferais sinon. Ah ah. Oh putain. Putain. Enfoiré. Ah ah. Casse-toi. Je t'ai vu, mais non. Tu fais quoi? Putain, mais c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Je suis mort. C'est clair, là, je suis mort. Alors là, si je survis, appelez-moi Dieu. Putain, j'ai pu dire, regardez. Oh oui. Oh oui. De la vie. Vous pensez qu'on gagne des objets selon... selon ce qu'on a besoin en fait, parce que je pense hein, ça pourrait être pas mal, j'ai vu un truc là. Ah oui, heureusement. Heureusement, bon alors attendez. Ah oui, les grilles se sont ouvertes en fait. J'avais pas vu, donc so what is this. Ah oh, mais non, mais je suis pas un hacker moi. Enfin je suis un hacker mais pas dans ce sens là. Non, je rigole. D'ailleurs je fais un petit coucou à mon ami Florent qui ne regardera pas cette vidéo mais qui veut plus tard faire un métier qui s'appelle hacker. Et vous savez ce que c'est hacker en fait? Ce n'est pas le mec qui pirate tout. Hacker en réalité, c'est tout simplement le mec qui au sein d'un logiciel en fait, le but il va essayer de le pénétrer. Non, il n'y a pas de sens secondaire, hein. Il va pas essayer de le pénétrer dans le sens que vous pensez tous. Il va essayer de le pénétrer, c'est-à-dire de l'infiltrer des... pas des spermatozoïdes, non je rigole, je suis super lent. D'infiltrer des virus dedans. Et en fait, enfin il veut des faux virus, hein. S'il y arrive en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de boucher les trous quoi. J'adore, pas les trous, non, enfin bref, ok, je suis lourd. Il va essayer de... Oh putain, c'est la banque ici. Il va essayer de trouver les failles, voilà, du logiciel et donc de les résoudre, quoi. Histoire que le logiciel soit invincible. Alors, messieurs, dames, on n'a pas beaucoup avancé, là, durant cette partie de la vidéo. C'est pas de là où je viens, ça, par hasard? Bah si. C'est triste. It's sad. It's so sad, guys. Comment j'avais fait pour pas voir ça, que c'était juste là? Pff, je suis vraiment débile quoi. Bon alors attendez, faut aller où là? Bah on peut pas sortir tant que l'ascenseur elle a pas touché le sol, c'est mal fait, bah blablabla. Heureusement que ce bouton existe avec Objective. Il y a des choses ici par terre. Ouais. Faut aller où? Non mais non mais... Ah bah voilà, tout simplement. Tout simplement, guys. Suis-je bête? Suis-je bête, les amis? Oh, il contemple une boule. Chacun son truc. Il va se lever. Eh bah non. Et voilà, j'ai gagné un point de je sais plus quoi. Je suis content, je gagne plein de power node. Vous voyez, je me fais de plus en plus au jeu, au fait de regarder par terre et tout ça. Regardez, hop 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 hop. Avant ça j'aurais pas vu, la porte aussi j'aurais pas vu. Vous voyez comme je suis un peu débile. Ah vous me la ferez pas à moi là, l'attaque zombie planétaire là. Je... Ah, regardez, je fais clignoter ma barre. Et merde, je suis con. Bon et alors? C'est pas de là où je viens ça, bordel. D'accord. Oh putain! Espèce de con va. Hein? Putain! Mais je suis con!
Non, je rigole. Non, vraiment, là, j'ai... C'est bien fait. Ok. Alors là, je suis complètement perdu. Je sais absolument pas où je dois aller et dans quel but. Bah voilà. Oh. Oh. 6. Au revoir. Double kill, multi kill, 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 exprès. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais c'est quoi qui rampe là? On voit plus rien. Non mais. Wow, wow, hop, 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 ça c'est fait. Hop, 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 ça c'est fait. Toi dégage, toi dégage, toi dégage, toi dégage, et toi dégage. Et toi dégage aussi. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai déjà dit, mais je tenais à remercier aussi la personne qui m'avait demandé, enfin qui m'avait dit à quand le prochain épisode Don't Panic 3, j'adore ça, quelque chose du genre. Je me souviens plus exactement de son message, c'était il y a quand même une semaine quoi, donc je reçois beaucoup de messages, hein, c'est vrai, donc je peux pas tout retenir. Mais en tout cas, je remercie du fond du cœur parce que y a pas beaucoup de gens qui m'ont dit allez, il sort quand le prochain épisode Don't Panic, nanana, nanana. Les gens en ont un peu rien à foutre de Don't Panic, c'est d'ailleurs le type de mes vidéos qui ont le moins de vues. Et donc que quelqu'un me dise comme ça, ah, quand est-ce qu'il sort et tout ça, moi j'aime bien. C'est vrai, ça m'a touché, ça m'a touché, j'ai bien aimé. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et voilà, alors là tu vois, j'ai... En fait quand je parle, j'ai remarqué, j'ai absolument pas peur. Non mais ok quoi, hey, oh, je te mets un coup de Ray-Ban là, enfin un coup de pompe là et t'as rien, mais bordel. Est-ce qu'ils nous feront un jour le coup du... Genre là, ça descend et là. Attention. Ah. Et ben non. Ah. Vous avez eu peur, hein, je sais, moi aussi. So let's go, j'ai pas mon chronomètre, je sais pas combien de temps de vidéo on est, ça faudrait pas qu'on aille trop long, parce qu'après c'est assez chiant pour les gens. Mais À votre avis, ça va ouvrir de là ou là? Bah là, ouais, forcément, il n'y a pas de porte. Moi, jamais je prendrai. Moi, sa place, je me mettrai dans un coin comme ça. Et je bougerai pas. Et je crèverai de faim, quoi. C'est... D'ailleurs, il mange jamais. C'est mal fait, il mange jamais. Je suis désolé. Enfin. Ouais, une save station. Ouh, chapitre 5. Attention, mesdames et messieurs. Je sais pas combien il y en a, mais. Yes, guys, we can do it. Certainly, sir. C'est quoi ce bordel là? Il fait froid? Oui, oui. Il fait froid. Non, je rigole. Je suis pas marrant en plus. On va arriver à y avoir des monstres polaires radioactifs. Vous allez voir. Bon, comment on fait pour le prendre? Ok. GG. GG, Lucas. Bravo. Bravo, Lucas. D'autre côté, il doit y avoir un truc, on parie. On parie qu'il va y avoir un truc. On parie rien. Suis-je donc drôle? Ouvre-toi. Ouvre-toi. Parfait. Mais non. Mais c'est une blague. Ah. 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 Oh. Oh putain. C'est dans cet épisode que j'aurais le plus flippé. Allez, allez, y'a pas à dire. Oh. Oh les enfants, mon cœur il a fait ta 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 ta. Comme Kalachnikov ça fait ta 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 ta. Ok, j'arrête. Non, franchement, c'est horrible. Y'a pas d'autre mot. Putain. Oh. Je me sens bizarre. Je me sens con. Parce qu'en fait là j'ai le son vraiment super fort dans mon casque. D'ailleurs peut-être que le micro ci-dessus arrivera à persuader ci-dessous mon casque. Bon c'est bon là, la chambre du boucher, on a compris bordel. J'ai en réalité gagné que 5 plasma puisque j'ai dû dépenser 1 pour péter le truc.
encore quelque chose de con ma foi. Alors soit je tourne en rond comme un con et j'ai pas compris. Soit les développeurs sont branlés en faisant ce niveau. Non mais c'est vrai quoi. Et eux ils bouffent toujours des munitions. Mais enfin. Mais enfin avec la musique super stressante. Bon mais c'est bon là, attends je tourne en rond, comment ça se passe? Voilà, ouvre-toi. Referme-toi. J'entends des bruits. J'entends des bruits, monsieur. Faux. Petit coucou à... Perdu. Merde. Oh putain. Petit coucou à Mehdi d'ailleurs, on rigole bien en parlant des vidéos de Norman fait des vidéos si vous ne connaissez pas. Ou à chaque fois il arrive à caler dans ses vidéos un son genre faux. Genre ses intros vidéos, c'est il dit quelque chose. Par exemple la dernière c'est sur les sites pour les adultes, bon les sites porno. Et il dit maintenant que je suis un adulte je peux aller sur les sites pour adultes, donc les sites porno. Et il fait mais moi ça m'intéresse pas. Et là ça fait faux. Et on s'est bien trippé avec un pote. Et à un moment il se fait semblant qu'il se fait prendre par sa copine ou par je sais pas qui sur un site porno. Et dans ce porno on entend oh it's amazing. Et on était pliés quand on a remarqué ce petit détail avec mes amis. Parce qu'il arrive toujours à caler non tu m'auras pas toi ça va quoi. Arrête tu te fais du mal. Il arrive toujours à caler amazing ou faux dans ses vidéos. Et c'est vraiment génial. Bon, il fait qu'une vidéo par mois. Hein. Bon, c'est pas. En même temps, à mon avis, à son âge, 24 ans, il a autre chose à foutre. Ou 21, je sais plus. Que de faire des vidéos à longueur de journée comme moi. Non, je rigole. Je pense qu'il a autre chose à faire. Ouh. Oula. Oh bah dis donc, il a dit fuck. Attends, eh. Faut que je fasse quoi? Oh, franchement, super lourd ce bruit. Waouh. Elle a dit you need to go up. Non mais faut faire quoi là? Écoutez, expliquez-moi. Ah, faut le hacker. Je comprends mieux maintenant. Oh merde, bah c'est mort. Super stressant ces trucs là, tu sais on est là, on s'y donne à fond, alors qu'est-ce que je vais avoir? Je sais même pas ce que c'est. Je comprends rien à l'histoire en fait. C'est ballot. Ah. Ok, et je me barre? Je sais pas, il y a plein de statues recharge. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire un truc génial, ouais. On va en mettre un. On va en mettre un autre et on va faire E. Merde. Là je me barre. Non mais je dois faire quoi? Les amis, les guys, what I had to do now? Ok. Attendez, est-ce que si je mets ça dessus, le chiffre va baisser? Non. Je comprends pas. Si je vais dessus, je peux pas? Non, je peux pas. Bah, je dois faire quoi, enfin? Mais enfin, ma foi, les amis! Ah! Voilà, spotted. Makai?
Je vais me mettre là au cas où il faut remonter, je sais pas. Ouais. Il faut faire quoi une fois qu'il y a ça? Peut-être ça. Bah, je comprends pas là. Qu'est-ce que nous devons faire, les amis? Je sais pas, aidez-moi à dire quelque chose, un signe. Je comprends absolument pas là. Bon bah écoutez, je pense qu'on va se quitter sur ça parce que cette fin de vidéo, quand je réfléchis, vous savez, je peux pas parler en même temps qu'on se fait chier. Écoutez, je pense que la vidéo aura duré assez longtemps, donc je vous dis à la prochaine les amis. La semaine prochaine sûrement, l'épisode ou la semaine d'après, je sais pas. Comme je vous ai dit, j'accroche pas vraiment à Dead Space 2, franchement j'aime pas vraiment les jeux du genre. Mais écoutez, le faux pour le bien de l'humanité. Faux. Non, sans rire. Allez, ciao tout le monde, à bientôt. À très bientôt les guys. Et peut-être là, là, moi je dis que là obligé il y en a un autre. Ah oui, là de l'autre côté. Ah voilà, donc on se dit pas encore au revoir tout de suite. Voilà, donc là il y aura lui. Ah mais tout s'explique maintenant. Suffisait de pas être con, dis donc. Tac, les derniers. Oui. Waouh. Bah eh oh eh. Mais enfin. Ah je sais. Je sais comment faut faire les guys. En fait, faut prendre du status recharge. Il faut ouvrir ça comme ça. Et là, on met un machin C dessus. On ouvre l'autre. Comme ça. Voilà. C'était con, mais fallait y penser, mine de rien. Wow. Ça la stoppe. What? Pourquoi il y a des bulles? Super mal fait. Et moi je peux pas m'envoler, non? Salaud. Et oui, et donc les guys maintenant. What I need to do? Je peux. Attends, c'est quoi la touche? Je crois c'est Alt. Et voilà. Et ouais mais... Oh! Bordel! Voilà, donc écoutez les amis, je vous dis à bientôt, on se retrouve très prochainement pour l'épisode 3 sur Dead Space 2. It's amazing! Ah, non, je rigole. Et on se retrouve sûrement tout à l'heure pour une vidéo commentée avec le meneur de ma nouvelle team sur Call of Duty 4 en écran scindé. Un écran là, un écran là. Ciao tout le monde, bye! Hi! Non, je rigole, j'ai déjà fait cette sortie, cette fois on va faire un truc genre... Non, sans rigoler. Ciao tout le monde, bye, à bientôt.